Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mercredi, le 11 septembre 2019. Il y a du jus là-dedans, on est correct. Eh bien, bon, les marchés... j'allais dire, les marchés font rien depuis 10 heures ce matin, mais là, on vient tout juste de percer à la hausse. On peut le voir là, en direct. Tous les marchés qui ont fait ça, je ne sais pas, il vient d'arriver quelque chose probablement. On va regarder du côté des ressources. Bon, il ne semble pas très que ce soit les ressources qui soient impliquées là-dedans. On va regarder du côté américain. Ce serait les biotech, ce serait les services aux collectivités, la santé, la technologie. Mais c'est tout un petit jump tous en même temps. Donc, c'est pas grand-chose. Bon, OK. On suivra ça un petit peu plus tard. Donc, on commence avec les nouvelles. Donc, le ministère chinois des Finances a annoncé son intention d'exempter mercredi 16 types de produits américains de nouveaux droits de douane, notamment les aliments pour le bétail, les médicaments anticancéreux et les lubrifiants. Les exemptions vont entrer en vigueur à partir du 17 septembre. Les actions du fournisseur d'Apple ont principalement progressé mercredi après le dévoilement des produits hier. Donc, on avait-tu des résultats financiers? Ah oui, on avait Roots. Moins 11 cents à moins 15 cents, le titre est en décrochage. Et encore plus profondément. Donc, il porte vraiment son nom de racine, parce que c'est ça qui est en train de devenir une racine. Et ensuite, il y a eu Tilray. Tilray qui a déposé une offre visant une offre mixte comprenant jusqu'à 400 millions d'actions ordinaires. Et à 30$, Tilray avait été émis à 26$ dans le temps à peu près. Il était monté à 200, à 300$, puis maintenant il a perdu 90% de sa valeur parce qu'il vaut 30$. Puis le fait surprenant, c'est que avec une annonce d'émission comme ça, le titre n'a pas chuté du tout. Et puis, la dernière, c'est SNC-Lavalin. C'est Jaruzelski Fraser qui a acheté un gros bloc d'actions du cabinet montréalais d'ingénierie tout au long du mois d'août.
et redevient le troisième plus important actionnaire de SNC-Lavalin à 11 % derrière la Caisse de dépôt et de placement du Québec et la Banque royale du Canada. Donc, mais ça a été un gros coup d'épée dans l'eau, cette affaire-là. Ce matin, le titre a ouvert en hausse et a pratiquement tout reperdu de sa hausse. En tout cas, eux autres... c'est quand même bizarre, hein, tu sais, c'est une compagnie qui, est sur, qui fait face à des poursuites où il y a eu de la corruption à l'os là-dedans. Puis regarde, c'est qui rehausse les affaires. Les grosses institutions, dont notre Caisse de dépôt. Et puis... Puis en Angleterre, ben, la nouvelle est un peu plate. Ils attendent la décision de la Banque européenne pour les taux d'intérêt. Le mouvement n'a pas continué, en tout cas, sur le TSX, puis sur le DAR et les autres non plus. Je ne sais pas ce qui avait provoqué cette petite hausse-là, mais ça n'a pas été bien, bien loin. Et donc, aujourd'hui, ah, puis il y avait aussi Apple, qu'on n'a pas regardé, mais c'est Apple là, qui est en élan aussi sur la sortie de ses fameux produits. Sa grosse résistance est à 233 piastres. Bon, donc le marché. On va revenir ici. Le marché. Toujours dans la même région, en plafonnement. Là, ça n'a rien changé. On revient où on était il y a 3-4 jours. Le DAR est un petit peu plus haut. Le SPY est égal à sa résistance. Le SPTT aussi. Donc, on est vraiment dans un marché de plafonnement. Et... ça va être difficile à passer, ça, cette affaire-là. Le secteur là, qui a été le plus intéressant dans les derniers jours, les secteurs, ça a été le secteur minier et le secteur énergie. Donc, vous voyez l'énergie ici, le USO, qui était dans une phase neutre. Là, encore ce matin, il était encore en hausse ici. Mais là, c'est fatigant un peu là, parce qu'on frise l'inversement du cycle, du dernier cycle haussier. Le gaz aussi est complètement stabilisé, mais les titres, eux, par contre, sont encore en hausse là, pour la journée, mais ils viennent un peu de revirer de bord parce que, vous voyez, ce matin, le USO était en hausse, mais après, on est reparti en baisse. Puis ça a pris un bout de temps, mais les titres ont résisté jusque-là, puis ils commencent à redescendre ici pour venir rejoindre le mouvement du pétrole. Rien de trop méchant, par contre. Mais en même temps, il y a eu un renversement de situation dans les titres aurifères. Donc, on va regarder ici cette situation-là du côté... Bon, premièrement, les pétrolières, j'ai tout séparé ça là, ce matin. Qui sont les titres qui ont monté le plus? Quels sont ceux qui ont monté le moins? Donc, dans ceux qui ont monté le moins, là, des McMullen, Nuvista, Enerflex, Precision Drilling, Husky, Encana, Baytex, Payson, Payto, tout ça, regardez ce que ça donne. Ça donne des mouvements comme ça. Ils ont monté un petit peu dans le mois de septembre, mais ils n'ont pas été loin, OK? Toutes des hausses quand même assez négligeables. Mais par contre, les premières, eux autres, celles qui ont été les plus beaux, c'est... MEG Energy qui a monté tout ça, Prairie Sky, Crescent Point, Imperial Oil. Donc, il y en a qui ont fait quand même de très, très belles hausses dans ça. Donc, il y a comme deux groupes, un moins fort puis un plus fort. Du côté des orifères, on est sur un support très important parce que là, on frise l'inversement de la tendance. Donc, raison qui fait que le marché essaye de sauver la situation. Regardez ce que j'ai fait. J'ai pris un paquet de titres là qui montrent, tout comme TTGD, vous voyez que TTGD est en hausse, mais le dernier cycle s'est annulé. Donc maintenant, on est rendu dans une formation neutre et aussi à très, très court terme dans une formation neutre. Regardez ce petit rectangle-là que j'ai fait ici. Vous allez voir, on le retrouve à peu près partout sur tous les titres. OK, on le trouve sur SGU, bien sûr. Mais regardez, il y a Newmont, il l'a déjà passé. Il y a Osisko qui a fait un mouvement plus fort que les autres. Puis tous les autres sont encore coincés dans ce petit mouvement-là. Yamana, Kinross, Alamos, Barrick, Agnico Eagle. Vous voyez, ils sont tous dans une formation identique, là, très serrée, à la hauteur des supports. Donc là, c'est un mouvement très important, ça, des orifères présentement. Si les titres passent par en haut, bien, ils s'en vont
de toute évidence, à leur résistance. Donc, ça pourrait être un signal haussier très court terme pour un upswing lorsqu'on passe ces formations-là. Là. Tu sais, comme ici, c'est passé 11 $ pour Santerra, c'est 16,45 pour Osisko, IAM Gold, c'est 4,75, 4,80, Alasur, c'est là. Vous voyez, ils sont très faciles à identifier. Et mais par contre, par en bas, bien, tous ces titres-là inverseraient leur tendance haussière. Donc, c'est à surveiller au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours, le mouvement là, sur les titres orifères. Si vous avez des titres orifères, puis on se met à traverser ces supports-là, il faut que vous diminuez vos positions. Il faut que vous liquidez des positions. Il ne faut pas que vous restez là, reperdre les sous que vous avez faits. Ensuite, l'autre secteur qui a été fort, c'est les mines, qui continue encore aujourd'hui. Pas tous les titres. Le First Quantum est un peu timide. Là. North American Palladium aussi. Labrador, il ne bouge pas. Champion non plus. Mais on a Teck, qui est en continuité de son cycle haussier. Puis Hot Bay, faiblement. Mais c'est surtout. Puis Major Drilling Group aussi. Mais c'est surtout les titres américains. Ça a commencé par les titres de cuivre, Freeport, Southern Copper, Teck, bien entendu, aussi. Puis après ça, bien, ça a été surtout de l'aluminium. Regardez le mouvement de l'aluminium au cours des derniers jours. Alcoa, Century, Kaiser. Et aussi Aluminium Corp, Compass, tous ces titres-là qui ont bien, bien produit, mais qui, là, vont souffrir d'un essoufflement. Ensuite, l'argent, c'est exactement la même situation que l'or. Si ça repart par ici, c'est un upswing. Si ça part par en bas, c'est un downswing. Puis ça inverse la tendance haussière en même temps. Fait qu'à surveiller l'or et l'argent, la sortie de cette petite formation-là neutre des trois derniers jours. Consommation discrétionnaire, c'est pas mal tranquille. Les télécoms aussi, malgré que là, oh, peut-être un peu, c'est-tu Bell, ça, qui vient de décoller? Ah, c'est Rogers qui fait un nouveau haut, qui est stabilisé quand même pour l'instant, mais Rogers qui, à partir d'un support important, d'un vieux d'un an, qui reprendrait à la hausse. Mais juste en dessous de ça, ici, c'est à 63,75, c'est un signal de vente sur Rogers. Et il y a BCE qui pousse à la hausse un peu, mais je pense pas, en tout cas, sous toute réserve, là, Rogers, ce qui est compliqué, c'est de dire, OK, bon, mais regarde, si vous embarquez là-dedans, le point de sortie, c'est 66,20. Et puis, dans les services financiers, ça a monté encore, mais vous voyez, on arrive à là. Donc, les compagnies d'assurance, les banques arrivent pas mal tous à leur résistance, peu importe elle est où. On le voit clairement que la résistance est atteinte. Donc, là, c'est le temps de prendre des profits dans les services financiers. Et c'est pas le temps d'en embarquer des nouveaux. Du côté des industriels, c'est assez tranquille, même qu'on est un petit peu à la baisse en direction du support. Par contre, il y a eu du mouvement sur Maxar qu'on a rentré hier dans le choix des analystes. On a payé 10,25, on a pris un profit à 11,2. Là, on est rendu à 12,12, donc on approche les 20% de profit. Il y avait NFI aussi qui était à la hausse, mais les volumes sont pas très forts. Ça va, il ira pas bien loin, je pense. Vous sécurisez cette position-là aussitôt que vous le pourrez. Puis SNC-Lavalin qui avait décollé un premier jour. Ceux qui ont rentré là-dedans dans les 17 piastres et 20 hier, qui ont pas pris de profit aux alentours de 19,75, là, il a presque touché 20 piastres. Bien là, aujourd'hui, ça vient tout changer la donne parce que en bas de 18 piastres, c'est l'inversement de ce cycle-là. Il reprendrait son cycle à 18,75. Et puis, il y avait Transcontinental qui fait semblant d'un élan aussi, mais c'est pas crédible. Le real estate toujours en correction. Service aux collectivités est en train de se faire un support. Peut-être qu'il y aura des décollages là dans les prochaines heures ou jours. Consommation de base, c'est tranquille. La technologie, ça rebondit un peu comme le secteur orifère, mais rien de sérieux encore. Et dans la santé, ça bouge pas, toujours sur le bord d'un inversement, mais c'est pas fait. Du côté du cannabis, ça reste juste un petit rebond encore pour le moment. Donc, quelques mouvements. Ben, Maxar était intéressant hier, là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aujourd'hui? Il y a BRP qui était en élan hier, qui est en continuité de son mouvement aujourd'hui avec un nouveau haut. Prochaine résistance est à l'entour de 59 piastres. Puis elle est loin à part de ça. Donc, ça a quand même encore un peu de potentiel, là.
Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, il y a Lack of America aussi à surveiller, qui est sur un prochain mouvement pour inverser sa tendance. Vous voyez, il est ici. Donc, prochain point d'entrée pour Lack of America dans un upswing 4,53, 4,55. C'est le lithium qui est tout en hausse, là, dans une tendance baissière. Donc, il y a Sociedad, le plus gros producteur, qui est en rebond. Il y a Lithium America, que je viens de vous montrer, qui pourrait inverser sa tendance. Et puis, il y a Nemaska qui resterait à suivre, là, mais le point d'entrée est seulement à 33 cents. On fait une petite pause, on revient avec des questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Un petit instant. Je suis en train de préparer des titres, ça va plus vite. OK, on y va comme ça. Donc, la première question. STT à New York, on attend 60 pour embarquer. Bien, pas 60, Robert. Regardez, la résistance est à 60-65. Ce qu'on doit se fier ici, là, c'est ce... Bien, c'est peut-être vrai, là, votre affaire. C'est juste que combien de temps il va rester là, OK? Je pense que c'est pas pire. Parce que, tout simplement, si en regardant ça, là, il pourrait encore faire un autre petit mouvement sans la traverser. En tout cas, il faudrait que ça se fasse avec un gros volume en haut de 59,50, 59,75 ou 50 ou 60, mais on voudrait voir un volume minimum beaucoup plus gros que ce qu'on a là. Parce que quand il fait des belles poussées, là, il fait 2 à 3 millions. Okay? Donc, ça prendrait au moins une vague d'acheteurs assez forte qui prouve que le marché est prêt à se rembarquer là-dedans. Donc, j'aurais aimé avoir une pause au moins comme ça. OK? Si, même s'il repartait là aujourd'hui, il me semble que c'était un petit peu trop vite parce qu'il a fait quand même plusieurs petits mouvements comme ça. Là, OK? Ici, il y en a fait un plus gros, là, mais il reste encore un autre 50-75 cents. En tout cas, soyons prudents sur ce mouvement-là. ACB, achat maintenant, non, achetez pas ça, là, c'est comme, regarde, c'est pas crédible, le pote, regarde, il y a eu des petites poussées, là, ce matin encore, mais regarde, ça a tout avorté, c'est rendu des sommets négatifs sur Weed, regardez, Afria, il avait l'air de décoller comme ça aussi, madame, ce matin, il est rendu négatif, donc ACB a l'air plus beau que les autres, mais regardez, les autres ont tous repris à la baisse, là, après la hausse de ce matin, donc, à mon avis, faut pas s'embarquer là-dedans. C'est pas assez solide. D'où est-ce un élan crédible? Je crois que oui. C'est quand même un beau mouvement. Le volume n'est pas très fort. Puis là, ben, il est arrêté là. Okay? Donc, sous toute réserve, étant donné qu'il ne monte plus, qu'il a monté ce matin, mais qu'il est en pause depuis environ une heure, donc ce serait 52$ le point d'entrée pour ça. SNC ce matin, 19,71. OK. 19,71, je l'avais acheté sur le top à l'ouverture, juste ici, OK? Puis là, le titre est là, la tendance est de même, et les supports sont là. Donc, en dessous de 18$, ce serait l'inversement de son cycle haussier. Donc, parce que tout ça, c'est monté sur la nouvelle de Jarislowski qui prenait une position là-dedans. Oui, mais eux autres sont capables d'attendre des années et des années, là. En tout cas,
C'est sûr que quand on est protégé par les grosses institutions, ben, même quand on fait des affaires comme SNC a fait, il y aura toujours du monde pour les supporter quand même. Bon, c'est quoi l'histoire de la destitution de Trump? Robin, je ne sais pas, vous dites « Bonjour Michel, demain, décision sur la destitution de Trump ». Bon, pas de question là-dedans. Plus BCE, hausse ou baisse? Bon, BCE, il est juste sur le bord, je vais mettre ici. Donc ça, c'est l'indice là, qui fait ça ici. Là, c'est Rogers qui fait le plus gros mouvement qu'on vient de voir là, OK? Vous voyez Rogers qui est en ascension au-dessus d'une résistance de deux jours. Et BCE, il voudrait bien, mais il n'est pas encore vraiment enclenché sur ça. Assurez-vous que le mouvement est plus solide, OK? On est à côté à la résistance, il pourrait rester là encore dans cette formation-là. Donc, ce serait 64 piastres le point d'entrée. Point d'entrée sur DYA. DYA à 60 cents. C'est DynaCert. Regardez, ça là, il faut l'oublier ici, OK? Ça, c'est juste une cote momentanée. Il a ouvert là, puis il a redescendu là. Donc ça, c'est comme une fausse cote. On prend ça comme une fausse cote, OK? Donc le point de décollage, c'est 55. Sur DAR, of course. Sur DAR, BCE, bien, c'est la même chose. Trop tard pour entrer dans HLF. Ah oui, définitivement, Herbalife. Regardez, il a fait une belle passe, là, c'est clair. Là. Il est parti de 34 piastres, puis il va venir se stationner à 41,75 ici, là, dans une pièce d'ici. La tendance est là, mais ici, on a un gros V-shape, là, on ne peut rien faire avec ça. Maintenant, il doit se stabiliser ici, là, clairement, puis redécoller là après. Seulement là, on aurait un premier jour, dans un premier cycle haussier, dans une nouvelle tendance haussière. Ce serait seulement que là, ce serait intéressant, aux alentours de 43,5 piastres. Ray, Toronto. C'est pas Ray, c'est Ray.A, quelque chose de même. Le symbole n'est pas bon, là, ça ne marche pas. R-A-Y. Non, j'ai rien dans Ray. C'est pas ça le symbole. Il me semble qu'il manque de quoi, là. Ray, point, c'est point quelque chose. Revenez-moi avec ça, Claude. MLNT. Melinta Thérapeutique, qui est en feu depuis une couple de jours. Il a commencer un achat. Bon, on ne peut pas acheter des affaires comme ça sur le tard. Là. Si on prend l'habitude de faire ça, on va se planter. Là. Regardez ici, il y a un énorme volume. Là. Il n'est pas faux le volume, c'est un vrai volume, mais on ne voit plus les autres volumes. Fait qu'il faut l'enlever. Regarde, je le baisse, je vais le laisser à 2 millions. Là. Regarde, je vais le laisser comme ça. Je vais baisser lui aussi. Parce que là, ce qu'on veut savoir, c'est que c'est quoi l'amplitude des volumes ici? Oups! Là, j'ai baissé celui-là, mais c'était pas voulu. Je l'ai monté, c'est-à-dire, ça va sortir de la fonction. Donc ici, on a un titre qui a inversé sa tendance et brisé sa résistance hier, OK? Aux alentours de, on va bien voir ça dans le graphique ici, là, regardez ça, c'était clair. Donc ça a commencé le 9 en fin de journée, vers 15 heures. Ça s'est reconfirmé le lendemain matin à une couple de reprises hier. Donc c'était pas facile d'entrer entre 2,60 et 2,80, 2,85 là-dedans, OK? Là maintenant, il est rendu à 3,40. Il a déjà fait Il a déjà fait un cycle, deux cycles, trois, quatre, cinq, six. OK? Il y a six cycles de fait dans ce mouvement-là. Puis c'est un titre qui est parti de 2,25 $ qui vaut maintenant 3,35 $, 3,38 $. Qui a monté déjà de 30 % dans ce mouvement-là. Fait que dans un cas comme ça, on doit attendre d'avoir une pause en quelque part. Vous voyez, là, il est en train justement de se corriger. Là. Attendez un peu, je vais vous montrer ça autrement. On va faire ça ici. On va prendre lui comme ça.
C'est où? Attends un peu. Je vais mettre ça là. Je vais le driver là. Oh, je viens de voir quelque chose de planté là. C'était quoi? C'était les secteurs. Ah bon, c'est ça. C'est OGI qui était en ascension. Regardez ce matin. Oups! Paf! Regardez ça, il a clenché raide. Donc, ceux qui ont acheté ça à 6,45 $, bien maintenant, ils sont à 6,25 $. OK? C'est ça que je vous dis, il n'est pas crédible le cannabis. Ça continue, regarde, ça replante encore, tirer, plante, garde. Oui, il est rendu négatif maintenant. Il ne faut pas se laisser attraper là-dedans. Je reviens sur MLNT. Bon, MLNT, vous voyez ce que j'expliquais tantôt, ça fait déjà quand même un bout de temps qu'il monte. Donc, quand ça fait longtemps que ça monte, comme ça, il faut être prudent. Là, regardez, ce matin, il est parti de 3,20 à 3,45. Mais là, vous voyez sa cote actuelle là, qui redescend. Donc là, si elle redescend jusqu'ici, ça va être terminé son cycle. Donc là, il faut attendre de voir la fin du cycle, OK, qui devrait être, en théorie... ça aurait pu monter jusqu'à 4 $, mais ça se peut que ça n'aille pas jusque-là, parce qu'avec la correction qu'on vient juste de voir ici, là, OK? Donc, moi, je pense qu'il faut attendre une bonne pause, puis le début d'un autre. J'oublie pas que ce mouvement-là s'est fait sur des volumes beaucoup moins importants que ses premiers volumes. Donc, c'est normal que ça n'aille pas aussi loin. Analyser CIFS. China Internet Worldwide. Bon, une grosse tendance qui est en fait une formation triangulaire neutre, là. Puis il y a trop de résistance à ce niveau-là ici. Il y a le volume n'est pas crédible. 59 000 de volume là-dessus. C'est à mon avis un faux décollage, cette affaire-là. Regarde, il y a eu un gros volume sur la hausse, puis un volume encore plus gros sur la baisse. OK? Donc, je pense que c'est une balloune et ce n'est pas encore le temps. Le pot s'en vient, Michel? Non, le pot s'en vient pas. Le pot, il donne l'impression d'eux, mais ce n'est pas le cas. Okay? Dans le moment, c'est un sommet négatif pour moi. Okay? Regardez, là, il y a bien des manières de voir les choses. Ça, c'était la tendance. OK? Puis là, bien, à chaque fois, la tendance, regarde, quand ça remonte, vous voyez, quand le sommet, il va moins haut que le précédent, bien, ça change l'angle, OK? Donc ici, là, si le cannabis repart par là, regarde, ça va montrer une tendance comme ça. Ça fait que, donc là, tant qu'il n'est pas revenu à sa tendance, tant qu'il n'a pas passé sa résistance, il n'y a vraiment rien d'intéressant là-dedans. Regarde ce que je vous dis, moi, pour moi, ça peut être un sommet négatif, OK? Donc, la majorité des titres ne sont pas passés. Il n'y a rien qui passe là-dedans. Regardez, weed, c'est toujours dans la tendance baissière. C'est toujours... c'est pas avant, mon avis, 38 $ que l'entrée dans weed. Puis la petite pinotte que Aurora fait ici, là, voyons, on ne tient pas compte de ça. Regarde, c'est le bloc qui est là, Village Farm. Namasté est complètement revenu. Ça, c'est complètement revenu. Ça, c'est revenu aussi. Ça, c'est bloqué là. Ça, c'est bloqué là. Ça, c'est bloqué là. Non, il n'est pas encore prêt. Le cannabis, ça prend un mouvement plus clair que ça. Une vraie vague d'acheteurs qu'on a besoin. BB monte avec une nouvelle alliance système techno de Subaru. Ouais, j'ai vu BB ce matin, il était à sa résistance. Puis là, c'est ça qui l'arrête là, pour l'instant. Donc, il a fait une belle petite passe ici. Mais regardez, il est arrêté. Le prochain point d'entrée, 9,90 $ sur BlackBerry. Parce que là, il est à sa résistance. OK? Donc, il est en train de faire une pause à ce niveau-là ici. OK? Donc, 9,90 $ point d'entrée. On embarque sur New York au STK. Overstock. Trop loin. Le titre est parti de 15 à 23 $ et maintenant, il arrive à un niveau de résistance vraiment, vraiment, vraiment important. OK? Il y a peu de chances que ça continue loin au-dessus de ça. Au contraire, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire prendre dans une correction. Donc, comme ça, OK? C'est une zone de résistance importante, là. On y pensera, là, à partir d'ici, dans un nouveau cycle, c'est-à-dire si, disons, le titre ferait... faisait ça, là, OK? Non, j'essaie de vous le dessiner comme il faut, là.
De même, OK, avec une belle formation neutre de quelques jours dans le genre et suivi d'un décollage. Attention, ici, il y a eu une embûche, là. Ça, c'était un beau signal, OK, avec le volume et tout. Mais ça arrive aussi, des faux signaux. Le lendemain, part, le titre retombe. Ici, c'est un signal de vente, puis ici, c'est encore un autre signal de vente, OK? Mais ça ne fait rien. Le prochain signal, c'est comme 25$ sur WestEK. CP Toronto payé 308. À Toronto, CP. Puis là, bien, il y a quand même un support important, là. En fait, CP et CN sont tous les deux... qui sont mis CP, CN. Bon, CP, CN, vous voyez, sont tous les deux dans la même situation, tous les deux dans une longue formation neutre. Donc, puis là, bien, il n'y a plus bien de place à la baisse là, pour Canadien Pacifique. Donc, il y a encore un autre signal ici à 304, là. Donc, 308, c'était là. Vous n'avez pas pris de profit hein, il y a quelques semaines. Donc, vous avez vu le petit à 320, 322, puis rendu à la résistance, bien, vous n'avez pas pris d'autre profit. Fait que là, présentement, vous allez faire de l'argent quand il va repartir à la hausse, mais il y a quand même un risque de décrochage. Je ne pense pas que CP, c'est un titre bien dangereux, là, mais quoi qu'il en soit, moi, à mon avis, 303$, ça commençait à diminuer la position. Salut Michel, peux-tu faire une jambette à Netflix? Pas besoin. Ben tout le monde connaît mon opinion à propos de Netflix, là. Parce que, écoute, là, Netflix est rendu avec tellement de compétiteurs, là. Tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Et tout le monde est rendu dans ce business-là. Même Apple s'embarque là-dedans. Tu sais, tout le monde embarque là-dedans. Donc. Mais vous êtes à 290,80. Moi, je pense qu'il faut juste avoir être patient un petit peu. Moi, je le vois encore en bas, là. Je le vois chuter, là. Moi, je pense qu'il va chuter. De toute façon, ils ne produisent plus grand-chose, Netflix, là. Ils doivent avoir différents problèmes, là, avec toutes les compétitions qui s'installent chez eux. Ils ne sortent jamais grand-chose de nouveau de ce temps-là. Puis quand ils sortent des séries, moi, premièrement, je trouve ça vraiment plate, des séries après 2-3 épisodes cette année. Ça fait que je pense qu'ils vont avoir de la misère à maintenir le rythme qu'ils ont déjà eu, là. Parce que, regarde, c'était ici le top, là. Puis là, ça, c'était le nouveau top. Puis, regarde, moi, je pense qu'il s'en va à 250 bientôt. Je peux me tromper. C'est juste un feeling. BCE, 63$. Ici. À 63$. Ici. Il vaut 63,71$. Pas trop inquiétant. Potentiel à la hausse. Tu sais, regarde, il vient de revirer de bord. Là. Ce que je disais tantôt, c'était pas encore assez fort. Là. Mais vous voyez, le titre a changé de côté. Donc, vous êtes à 63, bien juste. 63, c'est ici. OK? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité là, dans le titre récemment. OK? Mais en principe, là, vous voyez qu'à 63,40$, le mouvement de hausse qu'on avait là, il serait inversé. Donc, ce point-là. Moi, si j'étais vous, je mettrais un stop à 63,40$, puis je le laisserais aller. Shop a-t-il atteint son support à court terme? Shop. Il l'a même dépassé. Puis là, ben, il est rendu à un autre support. Puis il y en a encore un autre ici. Là. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Regardez, la tendance est là. Là, il vient de passer à travers la tendance. Puis là, il s'est accoté sur le support. Donc, la tendance est inversée en bas de 425 et moins. Jérômec, puisque les marchés semblent plafonner, est-ce le temps d'envisager la fin de l'achat de fonds baissiers ou encore TVIX? Oh, mais attention! TVIX, c'est quelque chose de difficile à trader, puis c'est pas vraiment un outil à long terme.
Là, premièrement, le marché, il n'est pas en baisse. Le marché, il est en hausse, OK? Il est encore légèrement en hausse. On peut penser à envisager ça, mais parce qu'on va avoir de la misère à passer la résistance, mais il faut au moins qu'on voit les tendances s'inverser, puis chose là, qui n'est pas le cas. Mais il faut faire c'est du cas par cas, secteur par secteur. On ne peut pas traduire ça comme ça en disant « On devrait-tu s'acheter des FNB baissiers maintenant? » Non, mais pas moi. Pas quand le marché est en cycle aussi. Au moins, il faut attendre qu'il plafonne, puis qu'il revire de bord. Que penses-tu d'ACB à Toronto? J'ai répondu à ça tantôt. D'où est toujours un achat, je crois bien. Ouais, bien, on a dit tantôt sur un nouveau haut, là. C'est ça, ici, là. 51,80. Je désire acheter du DIV. Est-ce que c'est un bon achat? DIV, Dividend Split. Là, c'est Diversify Royalty. Bon, il est arrivé à sa résistance. Vous voyez, il commence à plafonner. Première journée où le titre demeure à l'intérieur de la cote de la veille. Il montre l'essoufflement du cycle haussier. Le volume est à son plus bas. Donc, il va faire une pause ici pendant un petit bout de temps. Ça pourrait durer 2, 3, 4 jours. Et lorsqu'il redécollera à 2,95, ce sera le point d'entrée. BNS, trop sort pour acheter, bien sûr. Bien sûr. Parce que, écoutez, les banques ont bien trop monté, là. Regarde, on est rendu à une... On a parti de cette résistance-là, ici, là, OK? Puis on est rendu à cette résistance-là. Donc, le secteur est essoufflé. Il va arrêter de monter. Donc, puis il pourra avoir de la correction. Est-ce que IQ est un bon mouvement pour faire un achat? Justement, j'étais dessus tantôt. On l'a dans les top 5 intra-séances depuis ce matin. Il a fait des beaux mouvements. Donc, puis là, bien ça, c'était, regarde, si on met un graphique en une minute, ça va être encore plus évident. Il a fait une belle passe. Après ça, il a fait un autre décollage, un autre décollage, un autre décollage, un autre décollage. Il y en a eu un paquet. Mais là, c'est terminé. L'histoire est terminée pour aujourd'hui. Donc, si on n'est pas embarqué dedans, bien là, à ce moment ici, on n'embarque pas avant au moins de passer à 20 et 25, là, parce que là, la hausse est terminée. Il pourrait avoir de la prise de profit. Donc, assurons-nous que le titre va repartir en hausse. Kinross, c'est un achat. Bon, bien, Kinross, c'est comme tout. Mais cas, je pense que vous voulez parler de Kinross, là, parce qu'à New York, c'est Kellogg. L'important de marquer votre marché. Cas, c'est Kinross. Et oui, il a fait le mouvement qu'on a vu sur les orifères tantôt. Vous voyez, on est ici. Donc, quand l'or a inversé ici, là, on est là maintenant, ça plafonne. Les titres orifères, eux, ont bien performé, ont suivi le mouvement, OK? Puis là, sont venus traverser ici. Donc, il y a ça de plus de fait dans les titres orifères. Donc là, ça veut dire que c'est positif pour un upswing, excepté que là, vous devez vraiment prendre en considération ça, OK? On a traversé, OK? On a fait deux petits cycles. Là, il est en train de redescendre. Tiens, on va le mettre, attendez un peu, je vais le mettre comme ça, tiens, T-K, c'est le fun de regarder avec un graphique vivant. Donc ça, c'est le graphique, et puis là, il est en correction. Attendez qu'il finisse sa correction et puis qu'il reparte à la hausse, OK? C'est là qu'il va être le point d'entrée, si vous voulez être encore un petit peu plus sharp. EQB. À Toronto, potentiel pour un achat. Bon, Équitable, là, il a fait donner un faux signal dernièrement ici. Et puis, ça... Bon, on fait une petite pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente.
publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour. Je vous disais tantôt qu'il y avait eu un faux signal sur EQB ici là, qui a avorté. Donc, on va attendre que la même chose se représente. Tout semblait valide, là, mais tu sais, ces titres-là à faible volume servir de bord quand même assez rapidement. Là. Donc là, c'est un faux signal. En fait, quelqu'un qui serait rentré ici devrait sortir à 96,50. Okay? Mais là, si vous voulez embarquer dedans, mais le point d'entrée, ce serait 102$. GWO est un potentiel pour un achat. Il me semble qu'il a monté pas mal. Great West, non, il est rendu à sa résistance. Là, Claude, regardez, il est rendu ici. OK? Donc, il a monté 1, 2, 3, 4, 5 jours sans augmentation de volume. Donc, il va plafonner à ce niveau-là. Vous risquez de vous faire prendre. Donc, la tendance, elle a été inversée à partir d'en bas. Mais là, il va bloquer ici à 30$. Laissez-y faire une pause de 2-3 jours. Et après ça, quand ce qui va décoller à 30, 75, 30, 31, ce sera le point. UNS. Oh, il est vraiment sur le bord Uniselect, là. Il y avait une longue tendance baissière. Ici, maintenant, il y a une longue tendance neutre. Et puis, donc, son point d'entrée, c'est quelque part 12,5$. ACB, beau, vous avez dit que dépasser 8,35 serait achetable. Bon, on y retourne. J'ai pas dit ça comme ça, certain. OK? Quand j'analyse les titres, j'analyse un titre, mais j'analyse le secteur. Si vous remarquez ce que j'ai dit, surtout ce matin, c'est que j'y crois pas, c'est que c'est pas le temps d'acheter du cannabis, je le répète tous les jours, que là, il y avait une possibilité d'inversement, mais là, parmi tous les titres, là, oh, on en trouve un là, qui a fait une petite affaire ici. Là, OK? Là, c'est pour ça. Là, OK? Mais regarde, moi, c'est pas ça que je regarde. Moi, ce que je regarde, là, c'est lui, il s'en va par là. OK? Regardez, Afria, il s'en va par là. Ils s'en vont tous par en bas, là. OK? Ils sont tous partis par en bas. Tilray est en train de percer son support. Chronos et toute la gang. Donc, ça, c'est pas crédible. OK? C'est pas crédible. Si vous voulez vous embarquer là-dedans, regarde, vous allez jouer une tendance à la hausse, une tendance baissière. Parce que, regarde, ça, c'est Horizon. Le ETF, ça c'est Weed, puis les autres. Donc ACB, là, on s'embarquerait là, juste dans ça avec une petite affaire comme ça, avec un petit volume comme ça. Non, ça c'est pas un bon signal, Diane, c'est pas un bon signal. J'ai dit Icon, 1,60$. ICOM. Iconix Brand Group. À 1,60$. Il vaut 1,60$. Ben moi, je t'avoue, je sortirai de là au plus vite. Bye-bye! OK? Hey, regarde, flashez-moi ça. Regarde, le titre a monté de peine et de misère avec des petits volumes. Puis là, il a viré de bord assez raide. Donc, sous toute réserve, là. Donc, il valait 1,30$ ce matin. Vous êtes chanceux, il est remonté, mais c'est encore une tendance baissière. Donc, je vous dirais, regarde, mettez un stop à 1,50$. Ben, comme il est en train de remonter, peut-être qu'il pourrait monter un petit peu plus, là. Il est 1,60$, 1,60$, 1,59$, 1,64$. Si vous vendez, vous avez 1,50$. Si vous voulez l'acheter, vous allez payer 1,50$, 1,64$. Mais si vous voulez les vendre, bien, l'acheteur est prêt à payer 1,59$ dans le moment. Mais il regarde, il est vraiment pas beau. HACCO 12,34$. Il vaut 12,43$. On l'a mis dans les top 5 intra-séances ce matin. Comme vous l'avez à 12,34$, son support est à 12,35$ ici, bien, vous mettez un stop à votre prix payé et vous laissez aller. Vous espérez d'aller prendre un profit à 13$. Regarde l'achat de SCR sur Venture. SCR. Bon, bien, achetez-les pas là pour l'instant, parce que là, c'est plus un achat, il est presque en train de faire un signal de vente, là. Donc, il a monté, il est redescendu, il a fait une phase neutre, puis là, il est en train de passer au travers. On va regarder son 15 000. Regardez, là, il vient de faire un volume de 110 000 à la baisse, là. Il y a quelqu'un qui a pris la poudre d'escampette ici.
Donc, regardez ce que vous voyez, c'est ça. Donc, ça pourrait encore revenir, hein, mais les petits volumes en augmentation qu'ils ont là ne sont pas très, très de bon augure parce que vous ne voulez pas acheter un titre pendant qu'il s'en va en bas. Le seul endroit intéressant pour acheter ce titre-là, c'est 85 cents. Tu as une idée sur le pétrole à la baisse? Une idée sur le pétrole à la baisse? J'en ai à 4,95. Qu'est-ce que vous voulez dire du pétrole à 4,95, Céline? C'est un titre quelconque, mais je ne sais pas quel titre. Donc, ce que je peux vous dire sur le pétrole là, c'est qu'il a mangé une claque. Écoute, les inventaires, Maxime, il était dessus. Il était. Parce que, il y a une grosse cote ici, là, à la baisse. Il y a vers 11h quelque. Puis à 10h30, il n'avait rien fait lors des inventaires. En tout cas, il ne va pas mettre le pétrole là. Il est parti à la baisse. Il y a un petit rebond dans le moment. Donc, les titres ont suivi. Finalement, ils ont tout perdu. Je disais ce matin ici, après les hausses qu'on avait vécues, si vous aviez acheté des titres pétroliers dans les derniers jours, c'était plus que le temps de sécuriser vos positions. OK? Et puis, là, attention, parce que TTEN, s'il chute en bas ici, ça devient baissier. 133 à 130, à 132,94, c'est quoi ça? 133 piastres, ça redevient baissier. Céline, si vous voulez analyser votre titre, j'aurai pas le temps de le lire, parce que j'ai 67 questions en tout, j'en ai 34 de répondues. OK, TOU, 13,68... TOU. Bon. OK. Là, on est sur notre TOU. On est là. On a payé ça 13,78. Il n'a pas progressé bien gros après qu'on l'a acheté. Mais là, il est sur un double sommet. On a payé 13,78. Puis ici, prix payé, on débarque. Je vous conseillerais sur TOU c'est ça. 13,75, 13,80, ce serait le point de sortie. LB, la Banque Laurentienne, qui a fait un gros sursaut depuis quelques jours. Elle est tellement décousue, hein, la Banque Laurentienne, de ce temps-ci, avec toutes ces fling-flang qui fait plein de coulisses de peinture partout dans le graphique. Encore le temps d'acheter. Moi, je n'achèterai jamais ça pour tout l'heure du monde. Regardez ça, là. Ça va plafonner, c'est clair, là. Et ça ira pas plus loin, ça ira en tout cas pas tout de suite, là. Tant qu'il se montrera pas le nez à 46,5$, c'est pas intéressant. CTC, est-ce que c'est un go? C'est Canadian Tire. Il a fait une belle poussée à la hausse, là, mais il a déjà pas mal trop avancé, là, dans son mouvement. On a une tendance baissière importante. On a une résistance importante. S'il monte encore un peu, il va plafonner là. Donc, regarde, il va plafonner aux alentours de ça, le prix logique, dans un nouveau cycle haussier. OK? Après une pause d'une couple de jours, dans un début de cycle haussier, à partir de 147,50, ce sera un go. RFP. Resolute Forest Product. C'est un pullback, une correction à la hausse dans une tendance baissière. On a un petit mouvement ici qu'on ne pourra même pas voir en 15 minutes. Là. C'est ça, on va pas assez loin pour le voir. Ça paraît intéressant là, mais il n'est pas sur son haut de la journée aujourd'hui. Il est en train de revenir. Je trouve ça pas mal risqué, moi, comme titre. C'est encore un autre qui rebondit parce qu'il y a un énorme signal. Donc, moi, je pense que c'est pas avec facilité qu'il va tomber en bas de 6$, là. Donc, là, vous pourriez faire un petit upswing jusqu'à 9, là, mais c'est pas dit qu'il va se rendre là parce qu'il y a vraiment pas de volume, là. Il y a 10 000 actions transigées là-dessus aujourd'hui. Laissez-moi jeter un coup d'œil sur les papiers. C'est tout le papier qui fait ça dans sa tendance baissière. Puis, s'il revient à la baisse, ça va même être une tendance accélérée. Donc, la plupart des stocks font ça. Cascade, il est plutôt négatif. Interfor, il est bloqué à une résistance. Lui aussi. Écoutez, moi, je pense pas que le secteur est bébé favorable et que ça vaudrait la peine de s'embarquer dans RFP. ATVI, c'est une action que je surveille depuis longtemps. ATVI.
OK. Ben, au moins, il a changé d'air de ce temps-ci. Il a complètement. Son plus beau signal qu'il a donné, c'était ici à 52,96. Il devrait être assez évident. Donc, c'est quand il est passé là. OK. Et puis là, maintenant, il est dans une tendance haussière, mais il est comme aussi en même temps bloqué à une résistance. Le volume est en légère diminution. Est-ce une position qui peut être intéressante quand même? Plus maintenant, parce que là, vous avez une résistance ici, ce serait pas, il n'y aurait pas d'achat avant 56,75 sur le titre, qui serait là, un nouveau cycle haussier à ce moment-là. BCE, Banque centrale européenne, annonce demain matin avant l'ouverture des marchés de discussion au sujet des taux d'intérêt négatifs. D'accord. Merci pour votre commentaire. BYND, la viande, pas de viande. Bon. Point d'entrée, 174-175. SIS, est-ce un achat? Non, Savaria, c'est pas un achat. Là, pour l'instant, là, il y a trop de résistance. Il n'a pas monté, il n'a pas fait de volume. Il a monté, mais il n'a pas fait de volume bien, bien là-dedans. Il est encore vraiment négatif. C'est encore une tendance baissière. On ne voit pas de beaux points faciles là-dedans. Parce qu'il a déjà beaucoup monté. Là. C'est un titre qui était 10 piastres et demi. Il est rendu là. Regardez ici, il fait un double sommet présentement. Donc là, j'ai bien l'impression qu'on est rendu à la fin de son cycle haussier. Acheté MFC hier, 23,38. OK, puis il vaut 23,75. Il y a encore un petit peu de potentiel. Vous l'avez acheté vraiment sur le tard. Là, 23,38, c'est ici, OK? Puis le mouvement a commencé en bas, là. Donc, en quelque part, essayez de le laisser monter pour essayer d'aller prendre un profit comme à 24, là. Peut-être même 24,5, parce qu'à 24,5, vous allez probablement sortir de la position. Mais pour l'instant, au moins un stop loss, comme 10 cents au-dessus de votre prix payé, ce serait la meilleure chose à faire. Ah, c'est RAY.A. OK, RAY.A. Rayton, payé 6,5 vaut 7,25. Vendu à moitié à 7,73. Je conserve ou je vends? Je vends. Je vends. C'est inversé. Il s'en va à la baisse. CPG, est-il trop avancé? Ben là, le pétrole, est, regardez, là, avec ce qui se passe en plus, regardez, l'USO est encore en train de faire une coche à la baisse. Là. Rien ne va plus du côté du pétrole. Et les pétrolières sont sur le point aussi d'inverser leur dernier cycle haussier. Les choses changent vite, hein? Donc, c'est sûr que CPG, il sera pas beau. CPG vaut pour acheter, je veux dire. Parce que, regarde, rendu à sa résistance qu'il y a là, il a atteint pas mal ce qu'il avait à faire. Là, maintenant, il y a une double résistance ici, ici. Donc, la tendance haussière est devenue une tendance neutre. Moi, en tout cas, je n'achèterai pas ça. Puis ceux qui en ont, stop à 5 et 10. Regarde, avant achat WTER. Water, alkaline water, OK, ben vous l'achèterez aussitôt qu'il repassera cette résistance-là. Bon, tenez pas compte de ça ici, là, c'est un trop loin. La résistance, c'est 3 piastres et 5, donc 3 piastres et 15, le point d'entrée là-dessus. HNU, on attend ou on achète? HNU, on attend. On n'achète pas parce que le cycle est terminé. Il a reviré de bord à partir d'ici, là. Donc, c'est maintenant un plafonnement. Là, ça va être où est-ce qu'il va sortir. S'il sort par en haut, ça va être très positif. 12 et 15, 12 et 10, un achat. 11 et 25, un point de sortie. D'habitude, quand GLD monte, TVIX monte et QQQ baisse. C'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je n'achète pas de titre d'or pour l'instant. Est-ce que j'ai raison? J'ai bien de la misère à vous suivre là-dessus, Diane. Il n'y a aucun rapport entre GLD et TVIX. Là. TVIX, ça suit le SP500. Et puis QQQ, ben, c'est la bourse c'est la bourse de Nasdaq. Là. Ça fait exactement comme la bourse de Nasdaq. Donc, c'est faux de dire que... Quand GLD monte, TVIX monte et QQQ baisse. QQQ baisse, TVIX monte, ça va ensemble. Parce que QQQ, quand QQQ baisse, ben le SPY baisse aussi. Puis quand le SPY baisse, ben le TVIX monte. Les deux viennent partie de votre phrase, elle est vraie, mais
Ça n'a pas rapport avec GLD. Souvent, de ce temps-ci, ce qui se passe, c'est que quand les marchés accélèrent à la baisse, l'or monte parce qu'elle a comme repris un peu sa valeur refuge, dans le moment. OK? Mais ce n'est pas toujours le cas. Quoi penser de Macy's? Mais Macy's, c'est M. M à New York. OK. Bon, c'est un, on peut pas être, on, c'est pas mauvais, il monte, mais il a déjà fait des hausses avant aujourd'hui, mais c'est un titre qui a tellement à problème, il a même traversé son support de 5 ans il n'y a pas longtemps. J'ai pas très confiance à ça, mais ça m'apparaît pas mal risqué. Si vous voulez faire de quoi à court terme, il faut que vous alliez comme, mettons, vous achetez ici, bien, vous sortez là, OK? Si vous achetez ici, bien, vous sortez en dessous ici. Et si vous achetez ici, bien, vous sortez en dessous là. Mais là, si vous achetez, ce sera à 17,75, mais ça va vous prendre un stop à 17,25. Mais je n'achèterai pas ça. GIB.A, payé 98. 98,15. Niveau 102. Tendance à long terme, toujours à la hausse? Non, la tendance à long terme. Oui, à long terme, là, OK? Quand on parle de long terme, c'est long terme, là, OK? Oui, elle est toujours à la hausse. La tendance à court terme, elle est neutre, OK? Donc, cette dernière tendance-là, là, qui a fait 82,102, là, sera inversée à partir de 98 $. Dole, s'il vous plaît, analysez le titre. Je déteins pas le titre. Bien, il était en piqué, Dole, il y a une couple de jours. Et là, il est sur son support, lui aussi dans une grosse tendance neutre. Donc, la tendance haussière est devenue neutre. Et tout ce qui est en dessous de 47 piastres est un signal de vente. Mais surtout pas un achat dans le moment. HLF. Beau mouvement de Highliner. Vous savez, les produits congelés, là. HLF à Toronto, est-il trop tard? Non, il n'est pas trop tard, c'est direct là, là. Excepté que attendez au moins qu'il repasse dans les 12 et 10, OK? Parce qu'il a plafonné là, il a monté subitement ce matin, il a plafonné, puis là, il a tendance à redescendre un peu. Donc, embarquez juste à 12 et 5, 12 et 10. J'ai acheté HEO. H2O Innovation à 1,15 $. À 1,10 $, OK? Mettez-vous un stop à 1,10 $. Aussi, DYK. Puis le signal d'achat, il n'était pas là, hein, sur ce titre-là. Regardez, là, il y a une grosse résistance, là. Le prix d'achat, c'est 1,35 $ sur H2O Innovation. Puis DYK. On a fait ça tantôt. Vous avez payé 35, vendu la moitié à 52. Ça, c'était vraiment bien fait. Quoi faire maintenant? Alors, vous mettez un stop à 40, à 40 cents, puis vous le laissez aller. SWY à 75 cents. Hein? Oh, vous l'avez payé, 75 cents. Non, non, c'est ça. Je pensais que vous disiez qu'il était à 75 cents. SWY. Hey, vous savez que maintenant, c'est le gouvernement du Québec qui est rendu propriétaire de Stornoway Diamond. Ben oui, ils sont incapables de se financer, là. Ils ont juste une solution devant eux autres, c'est la faillite, là. Ça fait que là, le gouvernement du Québec, ça m'a fait rire bien gros hier, là. J'écoutais ça à la télévision, là, le ministre qui en parlait, là, qui il faut sauver les jobs, il y a 500 jobs, puis il y a 11 % ou 12 % d'Inuit là-dedans qui vont perdre le job, il faut sauver les jobs. Ben oui, mais regarde, donnez-le de l'aide sociale, ça va être la même chose. C'est le gouvernement qui va payer les salaires, tu sais. Mettez-les dans une autre forme de chèque, là. C'est complètement ridicule, cette affaire-là. Ils ont mis... Il lui manque des tonnes de millions. Ils lui donnent 2 millions, 12 millions, je pense que c'est 12 ou 15 millions. Il leur donne 12, 15 millions, puis il dit, on va regarder comment ça va aller dans les 10 prochaines années. Hey, Joe, tu feras pas 12 ans avec 12 millions, là. 500 salaires là-dedans, t'sais. Et puis ils gagnent pas des pinottes, eux autres, là. Ils gagnent des gros salaires là, dans ce coin-là. Je comprends pas pantoute l'idée de cette affaire-là. Pantoute. On continue encore. Regarde,
Claude, dites-vous que votre argent dans Stornoway, là, à fin pratique, moi, je considère que vous l'avez perdu, vous ne récupérerez jamais ça. Là. Tu gardes. Premièrement, le gouvernement va commencer. Parce que là, il commence par dire, OK, l'argent qu'on va mettre dedans, est-ce que les contribuables vont le remplacer? Donc, premièrement, il va commencer, pouvoir commencer par payer les contribuables. Parce que les actionnaires, eux autres, ils ne possèdent plus rien. Puis l'autre compagnie qui est avec le gouvernement là-dedans, écoute, ils ont mis des fortunes dans ça, puis ils continuent à inclure des fortunes. Mais regarde, ils l'ont dit, si le prix du diamant remonte pas, ce mine-là sera jamais rentable. Puis le prix du diamant, bien, il a baissé de 50 %. Puis en plus, leurs diamants, c'est pas des diamants si extraordinaires que ça. CPB, c'est un achat, en tout cas, côté... c'est politique, hein? C'est pas économique une miette, là. C'est juste un move strictement politique. On a des belles compagnies ici qui fonctionnent bien avec des beaux projets, puis qu'on essaie d'avoir de l'argent du gouvernement. On n'est pas capable d'avoir une maudite scène d'investissement Québec. La Caisse de dépôt, ça ne nous écoutera même pas, puis des choses comme ça. Donc, dans les PME. Mais, si c'est dans le Nord, c'est correct. Si c'est les Inuits qui travaillent là, c'est correct. Mais c'est juste politique. C'est juste des affaires pour aller acheter des votes. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont en perdre plus des votes qu'ils vont en gagner avec ça. Lac, es-tu un achat? Non, un lac, c'est pas un achat, mais je l'ai montré tantôt. C'était pas vraiment loin de ça. Parce que. Il l'a fait tantôt. OK, bon, ce qu'on disait tantôt, on attendait qu'il redécolle. OK, bien là, ça m'apparaît correct, mais regarde, par mesure de précaution, là, ça vous prend un stop à 4,40 $. OK? Pépito, Love et CTL. Mais c'est long, il me semblait que j'ai vu préparer ces stocks-là tantôt, je ne les ai pas faites. Bon, Love, c'est pas intéressant parce que, de un, le titre a ouvert en hausse, OK? Il a fait une phase neutre, il a décroché de sa phase neutre en dessous, puis là, ben, il s'apprête à décrocher encore. Donc, c'est une balloune pour l'instant, cette affaire-là. Et CTL, lui, CenturyLink, il a l'air un petit peu plus beau, mais pour le moment, il a déjà fait 11,40, 13,20. Tout ça, c'est pas pire. Attendez au moins qu'il finisse sa correction comme ici, OK, puis qu'il redécolle, parce que là, il est en correction. Donc, s'il reste là, puis il redécolle à 13,25, OK, vous pourrez prendre une position, puis par mesure des précautions, avant d'en vendre à 14, là, prendre un profit à 14, ça va vous prendre un stop à 12,90. Nasdaq semble en belle forme. Bon timing pour TQQQ. TQQQ. ProShare. Je n'achèterai pas ça. Là. C'est comme vous voulez acheter le marché de Nasdaq sur le bord d'un plafonnement comme ça. Là. Non, c'est pas passé, premièrement. Hein? Non, je pense pas que c'est un bon move. Saputo. Ça, c'est le marché canadien. Du fromage. Bon, plate. Ça, plutôt, Maurice, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. En plus, son dernier élan aussi, il a complètement avorté. Pif, paf! Ouch! Ceux qui sont pognés là-dedans, déjà, ils le regrettent. Donc, sur toute réserve, là, il y aura un signal à 41,25 $. BYD.UN. Il me reste 2-3 minutes. Il me reste encore combien de questions? Bon, on va essayer de faire un blitz rapide. Il me reste encore 17 questions sur 76 qu'on a eues. Boyd Group, il n'y a pas de potentiel là pour l'instant, à moins qu'il arrête de descendre puis qu'il redécolle. Fait que de même, il respectera sa tendance haussière, OK? Mais il est déjà très cher, ce stock-là. Fait que, agissez avec prudence. ACB, les résultats demain, faites attention aux faux signaux. Merci, André. LAC, le stochastique montre un achat. Bien, le titre aussi. ACB, résultat financier après la fermeture, je crois. Je détiens du TFII. TFII. International, voit en bonne position. Je pense en racheter. Ma moyenne est 9 $. Oh boy! OK. Non, mais regardez, votre moyenne est 9 $, c'est correct, Mario. Vous faites bien de l'argent. Je suis bien d'accord avec ça. Mais si votre moyenne est 9 $, là, c'est parce que ça fait bien longtemps que vous les avez. OK? Et même... TFII, écoute, ça fait longtemps que vous les avez achetés il y a une éternité. Il était à 20 $, là, je ne me rends même pas jusqu'avant.
Mais ça doit faire très longtemps que vous l'avez. Donc, tant qu'à en racheter, attendez au moins qu'il finisse sa tendance baissière, parce que là, il plafonne ici. Il inverserait sa tendance baissière maintenant s'il repassait à 42. Donc, je vous conseillerais de faire ça en montant et non pas en descendant. ELD Toronto, ESI Toronto, ELD. Bon, il n'est pas passé encore. Attendez qu'il traverse, là. Attendez qu'il traverse ça. OK, ELD 11,75. ESI, il est rendu trop loin dans son titre, dans son cycle enseigne. Et puis là, bien, il est en train de devenir neutre parce qu'il a annulé son dernier cycle haussier. Timing terminé de ce côté-là. SRG. Comment faire pour savoir s'il part pour une autre hausse cycle depuis le début de l'année? Ou s'il va décrocher. Bien, il ne fait rien, ce stock-là. Regarde, il bouge entre 75 et 1,05 $, là. Mais c'est une longue formation neutre. Son décrochage serait à 60 cents, puis son décollage serait à 1,20 $. Mais il y a 60 cents de spread, OK? Donc, là-dessus, même les stochastiques, ils ne sont pas beaux. Attends, j'essaye de trouver peut-être un 9-3. Ouais, il y a juste le 9-3 qui fonctionne un peu, puis encore ça, il fonctionne mal. C'est une sorte dur à analyser. Maxor a acheté 12,25. Bon, 12,25 vaut 12,30. Oh boy, que vous êtes rentré sur le tard. Très, 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 très tard. On a acheté ça hier, nous autres ici. On a pris un profit avant la fin de la journée à 11,2. Là, il est rendu à un point où vous avez peu de chances de le voir continuer bien, bien plus haut. Regardez, il y a une énorme résistance à ce niveau-là. Fait que, attention, protégez-vous. Là, vous avez payé 12,25. Vous venez comme tout juste de l'acheter, OK? Donc, on va espérer que votre mouvement va continuer. Pour l'instant, ça regarde bien parce qu'il est revenu à son haut de la journée. Il est là, mais il tente une poussée. Donc, moi, j'hésiterai pas, là, OK? J'hésiterai pas. Aussitôt que le titre touche 13 $, même un peu avant, dropper la moitié de ça. ACB, c'est un achat? Non. RFP à New York. RFP. Ah, oh, bien, on a fait ça tantôt. AT&T, c'est T. Bon, le décollage du cycle, là, c'était ici, OK? Donc, il était à 35,89, 38, là. Là, il est rendu 36, voyons. Il était presque 36 $. Il est rendu à 38,31. Il y a déjà un bon bout de fait. Fait que c'est pas le meilleur point d'entrée. Il y a toujours des corrections dans les titres, là. Donc, si vous achetez après une grosse hausse comme ça, vous risquez de vous faire prendre dans une correction. Le timing n'est pas bon. FR, c'est First Majestic. Bon, non, ce n'est pas le bon que j'ai ici. FR, c'est là. First Majestic, est-ce un achat? Bon, là, tous les regardez, il a monté aujourd'hui, mais il a fini sa hausse, OK? Donc, tout ça, c'était des cycles haussiers neutres. Mais là, c'est vraiment deux gros cycles complets qu'il vient de faire. Le prochain point d'entrée sur ça serait juste 13,50. NMX, phase neutre, quand acheter? Mais seulement quand il va passer par-dessus. Ça va être 33 cents, 34 cents. RFP à New York, il y a plus de volume. Bien, on vient de le faire, il me semble, là, à RFP. Il y a plus de volume. À New York, à New York, à New York, OK, à RFP. Oui, mais il a monté quand même autant. Puis même s'il y a plus de volume, c'est 55 000. Hein? Non, non, c'est comme pas bon, ça. BB, un achat. BB, il a l'air d'être passé, là, sa résistance. Ah, là, il est arrêté là. Donc, sur toute réserve, là, il est trop tard maintenant. OK, il n'est pas redécollé. Donc, il a fini sa hausse à 11 heures. Et là, le prochain point d'entrée, c'est 7,5 $ sur BB. Lequel serait un achat? NWH.UN. C'est pas un achat. OK? Puis menace un important support en plus, ce titre-là. Donc, il pourrait être un achat seulement qu'à 11,80. BYP. BYP.UN.
Pourquoi je l'ai pas? Ça doit pas être le bon symbole parce que moi je tape la bonne affaire ici. Je peux pas malgré tout. A-C-O-N-L-N-R, c'est ma dernière question. A-C-O. Non, qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Tous les symboles sont plus bons. A-C-O, A-C-O. Et L-N-R, A-C-O, je ne le vois pas. Ça devait être C-C-O, je suppose. L'INAMAR. L'INAMAR, c'est un pullback pas vraiment intéressant, tout à l'intérieur de sa tendance baissière. Il vient de faire une petite hausse ici qui s'en va vers sa tendance, mais il y a un autre volume de 82 000, pas intéressant. Bébé à choc canadien, non. On l'a vu tantôt, là, BlackBerry, il est plafonné là, il est arrêté là, seulement qu'à 9,90 $10 qui va devenir intéressant, c'est tout. Bon, bien, écoutez, 1h07 de show, ça a été long. On a eu 78 questions posées et répondues aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la prochaine fois. Puis vous irez voir sur mon Facebook, j'ai déclenché mon projet de chasse au chevreuil en direct le 2 novembre à partir de Stansted, Québec. Puis là, ben, je suis en train d'organiser ça, ramasser les groupes et tout. Ça va être un événement assez spécial. Je vous en reparle encore dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été là. Passez une excellente journée.